Pourquoi le gaz offre de nouvelles perspectives pour le transport public ? Il a le mérite d'être pertinent sur plusieurs défis essentiels liés à l'urbanisation grandissante et aux besoins de mobilité. Quels sont ces défis ? En ville, ce sont clairement la qualité de l'air et le bruit. À l'échelle du territoire, on va s'intéresser à la gestion des déchets et au niveau global, aux émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus de collectivités font le choix de véhicules au gaz pour l'atténuation du bruit qu'il offre. C'est particulièrement apprécié pour le transport public et la collecte des ordures ménagères. Sur l'autre volet de la qualité de l'air, la motorisation gaz permet d'éliminer quasiment toutes les émissions de particules avec une baisse des oxydes d'azote. Chez Iveco, les véhicules Natural Power caractérisent les versions au gaz naturel. Les collectivités, les opérateurs publics et privés disposent désormais d'un grand choix de véhicules Iveco Natural Power. On peut rappeler que les ressources en gaz naturel sont abondantes, tandis qu'on assiste à un fort développement du réseau de stations GNV à travers le territoire.